Et Loïc fait bien de s'inquiéter, car il n'est pas au bout de cette surprise. La deuxième tour du château est elle aussi endommagée, et le bruit des travaux après quoi finit par exploser. Là aussi, on a le numéro de d'échafaudage. Là, je vous le concède. On a en gros 5000 euros de réparation de l'épi, proprement dit, puisqu'en fait, il faut entièrement déposer. L'ensemble représente un montant Mais tu ne me parles pas. C'était mon doigt, ça, tu choupinoute. On m'a fait un bisou. Les dégâts sont plus importants que prévu. T'as faim ? Mange des carottes, toi. En tout cas, plus de temps, on pourrait s'arrêter les dégâts de la tempête. Ah, c'est clair, quand on aura, c'est complètement déprimant. Moi, je peux vous garantir que quand on a fait le tour du château, on va dire du Vernois, du parc, 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 c'était une catastrophe. Moi, j'ai des artisans, là. On se pensait bien ça, parce que s'il n'y avait pas ces travaux-là à faire, et on pouvait investir dans autre chose, et on améliorerait certainement la maison par notre bout. Regarde le bordel qu'elle a fait. Cet héritage familial est un véritable gouffre financier, et les gens vont devoir faire face à des dépenses qui ne sont pas en mesure d'assumer. À bientôt, allez, bravo. Salut ma grosse.